La pandémie est encore présente sur le territoire. La remise du célèbre pass sanitaire est indispensable pour avoir accès aux endroits culturels, à quelques moyens de transport en commun, mais qui touche également les hôpitaux à la date du 9 août 2021. Il faut se munir des carnets de vaccins, de la PCR, du contrôle des antigènes ou des autotests inférieurs à soi ou encore des justificatifs de récupération de la maladie. Auparavant, les salariés travaillant dans des endroits touchés par le pass sanitaire ne devaient pas être obligatoirement équipés de cette attestation pour rejoindre le lieu de leur activité. Seulement les populations étaient obligées de se munir de cette pièce. Mais la donne va être modifiée le 30 août 2021. De nombreux travailleurs seront obligés de posséder leur pass sanitaire et de le montrer concrètement. Il s'agit de savoir qui est touché par ce dispositif. Une publication partagée par Coach en Images, Noël Lah. La date du 30 août marquera donc le lancement de la généralisation du carnet de santé. En effet, à compter de ce jour, les individus entre 12 et 17 ans vont être assujettis aux exigences de cette mesure. Ils ne vont pas être une exception. Les individus qui travaillent dans des endroits où le passeport santé est demandé à la population vont aussi devoir le montrer. Pas de passe sanitaire, pas de mammographie pour cette dame. Témoignage ce matin devant elle, hôpital de Bayonne, un commentaire Olivier Véran. Scandale Mani 28 à upic.twitter.com/y9swcnmmcity. Le général zéro officiel. Le général Off accepte qu'ils exercent leur activité dans des endroits inaccessibles à la population, mais également les volontaires, comme des lotures entrées dans la police pour lutter contre le banditisme et les intrus tard. Les entreprises de sous-traitance de contrôler les carnets de fonds. Les emplois mineurs doivent respecter ce règlement à compter du 30 septembre 2020. Les emplois qui effectuent des distributions et qui effectuent des interventions de secours ne devront pas présenter de passe. Découvrons la grille des endroits pour lesquels ce dispositif deviendra imperatif pour le personnel, les auditoriums, locaux de réunion, projection, etc. Lieux de spectacle et de réception, salles de concert, cinémas, les musées et les salles de présentation des œuvres temporaires, festivals, événements sportifs, les installations extérieures, terrains de sport, stades, discothèques, les clubs et dancing, les cafés et établissements de restauration, sauf les réfectoires, les restos de société, les points de vente express et de restauration rapide, de même que lors du ramadan. Dans le domaine du transport collectif, une publication partagée par 20 minutes et de la gastronomie à but non lucratif. Comment se présente la non-présentation de la carte de santé pour les travailleurs? Dans ce cas, votre patron vous avertit sans délai par la cessation de vos activités ou de la rupture de tout contrat de la rémunération travail. Ne vous est plus versé, précise le portail du fonctionnaire. Ainsi, en cas de non-représentation du laissez-passer sanitaire, cette interruption prend fin, mais si celle-ci dure plus de 3 jours, vous serez convié à une entrevue afin de stabiliser à nouveau les choses. Nous étudions, par ailleurs, les modalités d'une affectation momentanée à un emploi qui ne nécessiterait pas de carte sanitaire, indique la page. Il est impossible de se faire licencier pour absence de certification vaccinale. Ton MAG vous informera bien évidemment de toutes les nouvelles relatives à la maladie de coronavirus au cours des prochaines semaines et des prochains accueils actualités en direct passe sanitaire. Le listing des métiers concerne à partir du 30 août 2021.